minutes. Les tribunes sont pleines, la météo donne le sourire aux spectateurs. Pourvu que ça dure, allez, tout est réuni pour qu'on vive un beau moment ensemble. Juste un qualificatif pour ce stade. Magnifique. Si vous nous rejoignez, le coup d'envoi vient juste d'être donné. Allez Darren, un petit pronostic. Qui sera l'homme du match? Pour moi, sans doute, Ivan Rakitic. C'est un joueur tellement intelligent. Il anticipe parfaitement les appels de ses coéquipiers et il y sert généralement pas mal non plus. Oui, je suis bien d'accord et je suis sûr qu'on n'est pas les seuls à le penser. Il décide d'allonger le jeu. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Ça n'a pas pu aller plus loin. Peut-être une occasion pour Griezmann. Voilà une bonne occasion de contre. C'est vraiment passé tout près sur ce contre. Waouh, une intervention magnifique. En plus, il était pas mal sous pression. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Rakitic. Zéro tir dans ce match encore. Suarez. Une perle magnifique. Ah, ça c'est magnifique. Chapeau. Joue en profondeur. Un long ballon vers l'avant. Un ballon intéressant. L'interception au bon moment. Le long dégagement du gardien. L'anglais. Sergio Roberto. Mendy. C'est joué long. Sens du jeu. Mendy qui est récompensé de son pressing avec Pirlo. S'il le trouve, Pirlo. Messi. Attention. C'est un spécialiste des frappes lointaines, celui-là. Et ils le savent. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne. C'est aussi simple que ça. Dans la profondeur. Ça peut faire mal. Bien défendu, c'était chaud. Ça peut être dangereux. But. Idéalement, il fallait ouvrir le score avant la mi-temps. C'est fait. Et le timing est absolument parfait, ce qui n'est pas étonnant venant de lui. Voilà typiquement le genre de joueur qu'il faut surveiller en permanence. Il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But. Bien, ça fait un... On en restera là pour cette première période. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, peut-être. Le jeu est fluide, les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes. Espérons pour eux que ça continue comme ça. 1-0, tableau d'affichage. Encore 45 minutes à jouer. Le temps de finir votre analyse. C'est une occasion, ça. C'est au fond du fouet. Creuse l'écart, ils ont maintenant deux buts d'avance. Le gardien ne pouvait rien faire là-dessus, n'a rien à se reprocher. Quand il voit le ballon, il est déjà trop tard.
Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. Rakitic. Et la porte s'est refermée. Faut que ça va partir vite. C'est bien fait, ça. Oh, le petit ballon Pirlo. Et le gardien est présent. Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Dans la profondeur. Ça peut partir en contre. Messi. Il rate le cadre. La contre-attaque était pourtant parfaitement menée. Ils auraient mal été mieux, c'est dommage. Luis Suarez. Oh, Messi. Il choisit la profondeur. Il joue en retrait. Oh, voici Sergi Roberto. Oh, quel geste. Et il perd l'équilibre. Et le ballon continue de lui coller au pied. Ah, c'était pas mal. Mais le ballon est perdu. Il est passé. C'est bien ce qu'il fait là. Mendy, il a de l'espace. Il est là pour dégager. Bon service dans la profondeur. C'est reparti, ils peuvent contrer. Ils cherchent la profondeur. Bien donné, plein axe. Ça passe dans l'axe. La frappe, attention. Oh, c'est dommage. Quelle occasion. Ça démontre toute l'efficacité de ces ballons en profondeur. Tout ce qui est manqué, c'est une meilleure finition. Un peu de coaching, c'est bien. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Maradona. Rashford. C'est joué long. Messi. C'est joué long, attention. C'est bien donné. Il prend sa chance. C'était une énorme occasion, mais c'est manqué. Bon, moi, il joue le bateau, mais vont-ils réussir à marquer? Un peu de sang neuf dans les deux équipes. Qui a donc offert un but à son coéquipier. Oh, Messi! C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Vidal. Dans la profondeur, bien vu. Le gros dégagement. Il se rattrape bien. Et c'est récupéré encore une fois. Ça joue long, vers l'avant. Nelson Semedo. Messi. Oh, Griezmann. Bonne lecture de la trajectoire. Coup franc pour Barcelone. Oh là, soit il a surestimé ses talents, soit il n'a pas réfléchi. Une faute, ce n'est jamais anodin. Attention. Piqué. Le bon dribble. Ce contre peut très bien aller au bout. Le ballon dans la profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. Messi. Et le match s'achève sur cette ultime occasion. Victoire, c'est donc la victoire finale pour cette équipe. Et franchement, elle est méritée parce que techniquement, physiquement, mentalement, ils étaient vraiment au-dessus des autres. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? C'est une équipe qui possède d'excellents joueurs dans l'axe. Et comme souvent, c'est eux qui ont fait la différence. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Darren.